Nos clients, ce qu'ils veulent sur les bottes, c'est un produit chaud, imperméable, très facile à enfiler et qui ne glisse pas. Donc la première chose qu'on a travaillée, c'est l'accroche, l'adhérence. Avec le designer, avec l'ingénieur produit, on a énormément travaillé sur la forme, le design des crampons, pour garantir que nos utilisateurs ne glissent pas. Je me suis beaucoup inspiré de l'automobile. Je suis aussi beaucoup inspiré des pneus d'hiver, avec tous les petits stries qui permettent d'évacuer l'eau. Et ensuite, tous les autres petits crampons, ils sont placés au bon endroit pour avoir une bonne accroche, donc pour ne pas glisser. Cette botte, elle a été testée en Russie, parce qu'on a été chercher des températures extrêmes et un froid très sec. Et en parallèle, on a fait des tests en laboratoire qui ont corroboré ces tests, puisque la température limite de confort sur la botte était de moins 16 degrés. Le plus simple, c'est d'imaginer qu'à l'intérieur de la botte remonte une deuxième botte à l'intérieur qui vient assurer une protection complète contre l'humidité. Bah, c'est une innovation, ça n'a jamais été fait avant, même par les autres marques. C'est comme toutes les innovations. Des fois, on y pense, on n'ose pas. Et là, on a osé dès le début et ça a fonctionné. Et là, on a mis un petit peu de temps pour mettre au point le produit, mais ça y est, on y est et les bottes sont en production. Parce que c'est un modèle qui est produit exclusivement en Europe.